Et oui, Gordon 2A pour Games 2A TV. Alors nous sommes ce soir à Arpajon. Hein, bah, une fois n'est pas coutume, mais enfin c'est quand même la troisième fois que je viens. Et peut-être malheureusement la dernière, parce que je viens à la soirée de clôture de la boutique de notre ami Michel. Net Games, hein, j'avais déjà fait deux petits reportages sur notre chaîne et malheureusement il met la clé sous la porte, non pas parce que ça marchait pas, mais bon, pour des histoires complètement autres, il va continuer, on va dire, son aventure sur internet par correspondance. Et c'était pour lui l'occasion pour remercier tous ses amis, toutes ses connaissances, tous ses clients, d'organiser une petite fête non pas d'adieu, mais d'au revoir, parce qu'on va sûrement le revoir. Il vient s'installer dans le sud, ce sera peut-être pour nous aussi l'occasion de venir le voir plus souvent. Donc voilà, alors il fallait venir déguiser. Alors déguisement, j'ai pas trouvé grand chose, hein, j'ai pas eu le temps de préparer ça vraiment. Donc vous verrez le déguisement que j'ai prévu de suite après le générique. Voilà, nous arrivons chez Net Games. Alors, y a du monde, hein, y a même de la buée sur les vitres. J'ai mis mon bonnet, mais c'est pas vraiment un bonnet. Vous allez voir. Voilà en quoi consistait mon déguisement. Oh putain, c'est serré. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Merde, ça va être dur de circuler. Bonsoir. Bonsoir. Fallait venir déguiser, non? Non, pas spécialement. Je me suis fait avoir. Je suis le seul con à être venu déguiser, j'en étais sûr. Ah oui! Bande de cochons! C'est bien, il y a de la place. Ok, Damien, 151. Ah, enfin, attention, j'ai deux bâtons de berger, quoi. Tu vas bien? Ça va, et toi? Oh, ça fait plaisir. Hey, il a fait plus de 1000 km pour me voir. Je viens. Hey, du saucisson. Oh, encore, c'est pas un masque. La cagoule, tu l'as vu, viens. Et voilà. Sans famille, sans public. Et c'est le seul qui est vraiment dans le thème, regarde. On avait dit soirée disco. Ouais, bah j'ai les boules. Dis-toi qu'il y en a qui sont arrivés trop tard pour avoir un ticket. Donc je suis parti à 4h du mat de chez moi ce matin. Hein. Ouais, je suis arrivé de Porto Rico. Ça fait loin. Détermination sur la foule. Ouais, mais je voulais être là. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même quelques bonbons à gratter. Je sais que je suis pas venu pour rien. Alors, on a la chance d'avoir quelques invités de marque. Nous avons Olivier Ouahoua qui est là. Hein. Olivier Ouahoua que je cite souvent dans mes vidéos parce que ça reste une de mes sources d'inspiration, une des sources d'inspiration de ma chaîne, et qui est là. Ouais, regardez comment il travaille en fait. Hein. Il est un peu mieux équipé que moi, mais ça va venir. Hein. Je vais le rattraper petit à petit. Olivier, à toi d'être filmé un petit peu pour ma chaîne si tu acceptes. Oui, bien sûr. Bien sûr, il accepte. Droit à l'image, ouais, on t'enverra la facture. Hein. Non, c'est toi qui dois l'envoyer la facture, c'est ça. Non, ah, ouais, tu te filmes pareil un peu, t'es un peu en mode. Ah, ouais, ben moi j'ai pas l'éclairage, j'ai pas le système d'éclairage qui va bien. Et donc alors tu viens de Corse? Ouais, c'est moi qui pose des questions. D'accord, ok. C'est vrai que j'ai ça sur la vidéo. Non, en fait, tu sais, quand tu. Bah, il faut meubler. Ouais, excuse-moi, je peux en placer une s'il te plaît? Donc,
Wawa, cette fermeture, ça te fait quelque chose? Non, mais c'est vrai que ça c'est... Moi, j'ai toujours été habitué à aller chez les indépendants. Les boutiques indépendantes, c'est mon enfance. Moi, c'est mon enfance, c'est ça. Et ben, le fait que ça ferme, vraiment, ça me fait bizarre. C'est pour ça que je voulais être là, présent ce soir, pour au moins immortaliser ce dernier instant. Enfin. Et la tendance, c'est ça, c'est qu'elles ferment les unes après les autres, là. Honnêtement, elles vont fermer, c'est comme les vidéoclubs. À terme, tout ce qui est indépendant comme ça, les petites boutiques, je pense, hein, c'est mon point de vue. Hein. Tout va dans ce sens-là. Je le souhaite pas, mais... Ouais. Bah non, personne ne le souhaite, mais bon, avec l'arrivée du démat, hein, du tout démat, c'est le risque. C'est... Aussi. Parce que les grandes surfaces, elles s'en foutent, hein, à la rigueur, elles vont continuer à vendre des pâtes. Ouais, certes. Ceci dit, on a une grande surface encore, c'est sachez-le. Leclerc, je fais de la pub. Leclerc Baléon, trois fois. Ils ont un rayon rétro, il faudra que tu vois la vidéo. Ils ont un rayon... À Leclerc à Leclerc, incroyable. Ils ont un rayon rétro, je te promets. Des jeux d'occasion. C'est la première fois que je vois ça dans le supermarché. C'est un cash converter, c'est ton truc. Non, même pas. C'est l'espace culturel du Leclerc d'Ajaccio. Et des jeux import, ils ont bon, quelques consoles quand ils arrivent à en avoir, bon c'est un petit peu compliqué. Et ils commencent à... Ah ouais, carrément. Ça commence à se développer, le rayon prend un petit peu d'ampleur, on va dire. C'est bien, donc on trouve de la cartouche. Et c'est en Corse, et c'est pas chez vous. Voilà, donc venez, hein. Ça c'est une exception. Et est-ce qu'il fait beau en Corse à l'heure où on se parle? Non, il fait beaucoup plus froid qu'ici, t'imagines. Il neige. Attends, tu veux rire, je suis descendu de l'avion, ils m'ont dit 2 degrés, j'ai fait non. Il fait combien là-bas? Ah, j'étais à 15. Ah. Hier, j'étais à 15. Ouais, pour te dire. Mais je savais, j'ai prévu la doudoune. Ah, je savais qu'en venant ici, hier, j'étais en t-shirt. Ah putain, cette boutique, tu la connaissais depuis longtemps quand même? Non, je l'ai découverte il y a 1 an et 9 mois, comme je dis dans la vidéo que je suis en train de filmer là. 1 an et 9 mois, j'ai découvert quand j'ai fait le reportage. Non, bah, j'ai découvert quand je suis venu pour faire la vidéo sur le... La bourse d'échange, non? La bourse d'échange. Eh ben, la bourse d'échange, on s'est inspiré de ta vidéo, je le dis. Hein, je le dis. On s'est inspiré de ta vidéo pour en organiser une en Corse. La première bourse d'échange en Corse. C'est grâce à toi. Grâce à toi. Non, c'est grâce à Michel, c'est son idée. Merci Michel. Merci Wawa. Mais bon, merci, tu relais pas l'info. Si tu relais pas l'info, on le sait pas. Oui, oui. Ça se sait pas. Savoir que ça fonctionne, que c'est un système qui a la communication. La communauté. Voilà. La communication, la communauté. Voilà. Et heureusement que t'es là. Hein, et j'espère qu'on te reverra bientôt. Que je suis là. Oh, mais oui. Tu sais, là, toi, t'as le discours. Mais la personne qui est juste là, hors cadre, ouais. Elle est en train de me dire Moi, je peux pas regarder. Dès que tu discutes, tu vois là ce que t'es en train de faire. On est tous les deux dans le cadre là. Et ouais. Et ben ce monsieur ne peut pas supporter ça. Pas. Ah ouais. Non, attends, voilà. Si tu permets, voilà, quand Wawa il fait ses vidéos, c'est... Alors voilà, je suis avec Wawa et notre camarade là. Gordon. Oh, c'est super. Oh là là, avec Gordon Netgame. Alors c'est blindé dedans. Le c'est mec, ce... il est en train de me tailler en direct. Ouais, t'es en train de pourrir ma vidéo là. Je suis désolé. Merci de m'avoir salopé mon sujet. Bon, à très bientôt. Il fait ça super bien. Mais si. Et vous verrez en Corse, on organisera des beaux événements. On en a déjà organisé. Et on invitera Wawa. On fera 1000 km. C'est nous qu'on ira en Corse. Et bien, j'espère bien pour le match retour. Match retour à domicile. Pour passer Noël avec 15 degrés au moins. Noël en t-shirt. Sérieux, bien. On passera Noël en t-shirt et en tombe. Et voilà. Putain, on crache de la vapeur ici. Putain, on se croirait en Syrie. En Russie, pardon. Pourquoi je parle de la Syrie? Ça, c'est le... C'est quoi ce... Bon, merci. Bon, coupez, ça part en couille. Alors, nous sommes avec un autre Olivier, un plus grand, celui-là. Hein, l'autre était... Voilà. Il y a passé plus de temps au soleil aussi. Vous vous souvenez de lui? On était venu faire un petit sujet, justement, sur le chantier. Alors, ce chantier, il en est où? Eh ben écoutez, ça avance. On a équipé en mobilier, en télé. Mais bon, il y a encore des petits détails techniques, administratifs à régler. Mais en fait là, c'est vraiment prévu pour, j'espère, bon allez, on a un de mes associés de janvier, mais à tout casser, je pense, pour début mars. Début mars, quand même, premier trimestre, on va dire, premier trimestre 2019. Voilà. Purée, ça m'oblige à revenir. J'étais venu en me disant autant c'est ouvert et on va peut-être pouvoir aller voir. Mais comme j'avais pas eu de news sur internet, je me suis dit ça doit pas être encore opérationnel. Non, ça avance. Mais ça avance bien. Mais voilà. Bon, ça quand fait plaisir. Voilà, mais quand on est entrepreneur, on découvre, surtout apprenti entrepreneur comme moi,
on découvre des choses qui font que quand on veut bien les faire, on est obligé de mettre le temps et d'avoir les bonnes personnes. C'est ça qui est important. Okay. Mais ouais. Non, le bar gaming sera bien là et vraiment, on va faire venir toute une communauté de joueurs pour montrer que dans l'Essonne, il se passe aussi beaucoup de choses. Et on viendra avec une équipe de Corse un petit peu, hein, d'accord? Ah bon, on va faire une compétition, tiens, les Corses contre les Essoniens. Voilà, et puis il faudra venir aussi, et ça, hein, voilà. Hein, quand on organisera des événements. Ça marche, ouais, bah, pas de problème. Et tu sais qu'on a du haut niveau, nous aussi, hein, en Corse, hein, faut pas croire. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, on a des bons, on a des bons. Street Fighter, speedrunning en tout genre, rétro. Allez, moi je mange de ce pain-là, moi, y'a bon, pas de problème. Bon, ça va, ça va. En tout cas, ça fait plaisir, Olivier, de te croiser là. Hein, bah ouais, Net Games, là, NetGames. Pour la dernière soirée. Bon, ça te, voilà. Ça te fait quelque chose quand même, ça fait. Bah, en fait, moi, franchement, je connaissais pas Net Games. Parce que moi, je connaissais le magasin Every Games. Et le fait de savoir que le dernier magasin indépendant de jeux vidéo ferme, ça m'a quand même fait quelque chose, mais du coup j'en ai profité parce que on a quand même racheté pas mal de meubles chez lui qui vont aller au Upside. Donc vous pourrez trouver dans son bar gaming l'Upside. Quelques souvenirs, on va dire, de Net Games. C'est bon, ça apportera un petit peu de nostalgie et j'espère quelques visiteurs, des habitués de cette boutique qui viendront. Net Games n'est pas mort, hein. Non. Il continuera à vivre à travers nous, le Upside. C'est ce que je disais au début de la vidéo, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Voilà. Merci Olivier. A très bientôt. A très bientôt. Voilà, 1 et 3. Oh, et le 1. 131. Damien. Putain. Gwen, tu danses? Alors je vous présente Gwen, donc président de l'association Games & Co. Games & Co, donc qui est basée ici à Arpajon, c'est ça? C'est ça. Et vous organisez des événements, vous faites quoi? C'est quoi? Des petits événements, en fait pour les grands et les petits. Ah c'est bien. on fait des pixel art. On fait aussi des mikados. Et de la peinture, on fait de la peinture des fois. Il en faut. Non, eh ben, c'est super. On organise des événements, enfin on essaye depuis 2012. On organise des événements typés vraiment sur le jeu vidéo. À la base, c'est une association de rétro gaming. Donc on est comme beaucoup d'associations dans la préservation. Comme beaucoup d'associations en France et en Corse. Et dans le monde entier. Aussi. Et en Corse, c'est bien, c'est bon. Il y a Sud Corse Retro Gaming, donc en Corse, ouais. Mais c'est beau d'entendre ça, on va s'aider. Hein. Et oui, on organise nous aussi des petits événements, hein, pour des petits rétro gamers. C'est bon ça. Mais on espère se développer, on espère faire venir du monde. On espère attirer les intéressés en tout cas. Et surtout donner envie à des passionnés d'ouvrir des magasins chez vous. Faudrait. Parce que ben, on se rend compte qu'il y a une petite communauté quand même. Et c'est bon ça. Et ouais, donc il y a des clients potentiels. Faut pas les ignorer. En fait, nous on travaille avec pas mal d'éditeurs. Pourquoi on travaille avec eux? Parce que d'une, c'est associatif et on met en place des jeux qui viennent de sortir, que les éditeurs nous envoient, on les met à disposition du public. Par exemple, on a fait un événement dans un grand centre commercial près de chez nous. Il y avait une quinzaine de voitures de films et séries.
Donc on a exposé des voitures de films, la Batmobile, la DeLorean, l'Ecto 1, les voitures Jurassic Park. Elles viennent d'où ces voitures? Elles viennent un peu partout. Ouais. Dont certaines sont les vraies du film. Ah ouais, carrément. C'est nos amis Movie Car Central. Donc mon petit Franck, je te fais des bisous. Elles sont en expo d'ailleurs en ce moment jusqu'au 6 juin. Ou au 20 janvier, pardon. 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier. Vous pouvez venir les voir, elles sont à côté d'Arpajon, là, dans la Cité du Cinéma. Et à côté, en fait, Nintendo nous a ramené une quinzaine de bornes Switch. On a réussi à les mettre en réseau pour le jeu Splatoon 2. Tous les magasins ont été dévalisés de Splatoon. Le Carrefour, le Toys R Us, le Micromania. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt des éditeurs de travailler avec nous. Parce qu'on arrive à faire une communication que eux, ça leur sert beaucoup. Hein. Donc du coup, nous, on en profite, on fait profiter tout le monde, les gens, c'est gratuit. Et d'un autre côté, les gens achètent derrière, donc c'est très bénéfique. J'espère que les enseignes qui nous connaissent et qui connaissent nos événements également vont ouvrir les yeux grâce à ce que tu viens de dire. C'est ça. Et il faut nous aider. Il n'y a pas de raison. Il y en a déjà de l'aide un petit peu, mais on aurait besoin d'un peu plus. Après, on fait prochaines. Des petits événements dans les cinémas, dans les centres-villes, pour juste la communauté de la ville ou des villes aux alentours. D'accord. On fait un peu de tout. On fait la location de bornes. On a pas mal de... Maintenant, on a une quarantaine de bornes dans l'association. 40 bornes. Que ça soit de la borne Midway, donc de 1980, de la Pac-Man, de la Galaxion, comme tous les kiosques, dont il y a une exclue le 6 janvier, on reçoit les fameuses bornes GameCube du Nintendo Tour, le fameux camion qui a tourné dans la France, qui a sillonné la France, pour venir vous voir dans les villes, on va dire, c'est plutôt sur la Méditerranée ou sur les bonnes villes de vacances. Et voilà, donc on a réussi à mettre la main sur ces bornes. Combien tu en as de GameCube? Là, il y en a... Alors, j'ai gardé deux singles et une twin. Donc, elles arrivent de Dijon, mon pote Fred. Bisous à vous. Et donc, Arcade Légende. Petit coucou, Arcade Légende. Et du coup, elles arrivent le 6 janvier dans l'association pour pouvoir vous les mettre à disposition et pourquoi pas les exporter peut-être en Corse. On verra si on trouve moyen, mais ça va être un peu compliqué. Mais si on y met tous de la bonne volonté, on va y arriver. Mais oui, il n'y a pas de raison. Vous avez vu le suite? J'ai le même. J'ai acheté le même. C'est où? Non, pas, comment ça s'appelle? H&M. C'est ça. H&M, ouais, c'est ça. Ils ont toute une collègue de suite sympa. Nintendo 64. Ouais, aussi, ouais. Ah ouais, on a oublié de vous parler des vitrines. Mais c'est de ces belles vitrines. Qu'est-ce qui se passe en fait? NetGame ferme, on est là pour ça. D'ailleurs, merci à toi d'être venu de Corse pour nous. C'était surtout un plaisir pour moi de venir, voir. La dernière fois. Ouais, parce que justement, se dire que c'est la dernière fois qu'on vient, ça fait quelque chose. Je suis venu que deux fois. Hein. Et les deux fois, c'était fermé. Les deux fois, je suis resté dehors. Pour une fois que c'est ouvert, c'est la dernière. Bisous, Michel, bisous. On rigole, Michel, on te magagne. Donc, en fait, j'ai fait la. L'heureuse acquisition du Solid Snake qui était là depuis. Mais il est plus là d'ailleurs. Ah, je l'ai embarqué. Ça y est. Et je me suis dit, les zombies ils vont venir ce soir, ils vont le casser, ils vont le mettre par terre. Ouais, t'as raison. Et je l'ai mis en lieu sûr. Donc voilà, on fait l'acquisition du Solid Snake qui est pour moi et pour mon ami Fafa qui a travaillé ici pendant des années. Je sais qu'il va être content qu'on les récupère et qu'ils soient entre de bonnes mains, on va dire. Mais tu n'as pas récupéré que ça. Mais non. Ah, j'ai essayé de récupérer deux vitrines qui sont à ma droite là. Des vitrines. Wow. Donc une pour accrocher les blisters et l'autre pour présenter les jeux. Et ça c'est pour ton association ou non, c'est pour... c'est personnel. Ah c'est perso là. Mais en fait tout le monde sait que je mets beaucoup du personnel dans l'association, que ce soit mes bornes, que ce soit tout ce qui est matériel. Et pourquoi pas, on va peut-être les retrouver dans un de nos salons. Ah, donc elles seront pas totalement... Et mis en valeur, perdu. Et ça sera un petit clin d'œil au magasin NetGame. Ce qui est important ici, chez NetGame, c'est que grâce à lui, en fait, je pense qu'on n'a pas pu créer l'association sans lui, sans Michel et Katia. À l'origine, on avait vraiment rassembler un groupe de personnes vraiment intimes et pour monter cette association et faire tourner le magasin, faire des événements avec le magasin.
Et c'est vrai que, ben, comme tout le monde sait que les magasins c'était très dur, surtout dans le rétro gaming. Donc c'était vraiment un coup de pouce pour eux. Bon, maintenant ils ferment même parce qu'ils vont vendre beaucoup sur internet et c'est mieux comme ça, ils seront moins taxés. Mais ils vont continuer à vendre des jeux et on va continuer à les voir. Mais ça sera plus la boutique et ça c'est vraiment triste. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est donc quoi, un gros big up. Big up Michel, allez, à bientôt, on sait qu'on vous reverra bientôt. Allez, bye, ciao. Qu'un au revoir. Alors nous sommes avec Christian, c'est ça? Ouais, Chris White. Ah pardon, Chris White, c'est mon pseudo. D'accord, pardon, j'ai donné ton vrai nom. Je pense pas, parce qu'on va pas être copains, et j'aimerais bien qu'on soit copains en fait. On va couper. Et vu que t'es corse, je vais être copain avec toi forcément. Alors c'est quoi, qu'est-ce que tu nous as fait exactement là? Ah bah, j'ai profité de l'occasion de... C'est marrant parce que je regarde là, mais c'est là que je fais. Ouais, c'est pareil, ça passe. Ouais, t'inquiète, ça passe. J'ai l'impression de loucher après. Non, en fait, j'étais pour l'occasion, bah, j'ai créé un jeu en 3 jours et demi. Waouh! Ah ouais, je sais. Un shoot them up, c'est ça? Voilà, c'est pas de la programmation, on soit bien clair, mais d'accord, c'est du pixel art. Donc j'ai créé un jeu en rapport avec Space Invader. D'accord. Parce que je sais que Michel, il aime bien Space Invader. Donc on va filmer là, ça. Pour l'instant voilà, on a Mister Ali qui essaye le jeu. Hein. Il a pas l'air très bon. Combien de niveaux il y a? Ouais, en 3 jours forcément il n'y en a qu'un. Ah ouais, bravo, et c'est tout. J'ai tout mis en un seul stage. Bon, ouais. Il y a à boire et à manger, il y a entrée plat dessert en un seul stage. Durée de vie du jeu, en combien de temps on le finit? Ouais, 7 minutes. Ah 7 minutes, ça va, c'est sympa quand même. Ouais, mais 7 minutes, moi avec une fin forcément en rapport avec la boutique. D'accord. Super, c'est la première fois que tu fais un shoot d'arcade. Ouais. Ah bien vu. Bien vu. C'est bien, ça fait plaisir en bas, t'as remarqué. Tu fais des shoots horizontaux. Voilà. Et maintenant, il a fait un shoot vertical et c'est la première fois qu'il fait ça. Chapeau mon pote. Regardez. En 2-3 jours, il a réussi à nous faire un shoot. Et spécialement pour l'événement quoi. Oh c'est Parallax. Oh là là, le scrolling en parallaxe de folie. C'est beau. Et normalement le boss à la fin, c'est le... Alors il m'a expliqué, c'est la mascotte de NetGame. C'est la mascotte de NetGame. Énorme. Voilà, prends les étoiles. Donc en fait on se fait un scoring tous ensemble ce soir. Je sais même pas ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quoi là? C'est... Avec Michel. Une PS4 toi, ça la... 2012. Ça voir avec Michel, mais si ça va bien, Michel il va être bourré, on va pouvoir lui demander ce qu'on veut. Donnez-lui à boire, donnez à boire à Michel. Est-ce que tu as filmé ça? Que j'ai versé par terre. Regarde, il est partout. Mais c'est bon, c'est du champagne. Putain, les Corses, les Corses. Moi je kiffe les Corses. Alors je vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Mais c'est de l'alcool? Oh non. Tu m'as pas dit que c'est du champomis? C'est champomis. Mais c'est du champomis. Explique-leur que je me suis bien occupé de toi quand même depuis que t'es arrivé. Parce que lui, il arrive pas à te... Il m'a totalement ignoré. Ah bon? Totalement. Je sais pas. Genre, ouais, je connais. Il a fait style, ouais, je suis occupé. Eh momi. Allez, à ta nouvelle vie. Ah, grave, hein, grave, allez, grave. Et santé. Santé, les amis. À la santé des Corses. Et j'espère que tu viendras nous voir en Corse. Tout le temps. Mais là, je suis libre. Ouais. Je suis libre maintenant. Ah, enfin, voilà. Je vais même venir dans tes conventions. Et tiens. Bah, voilà, et tiens. Voilà. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. D'ailleurs, c'est d'ailleurs, bon. D'ailleurs, je voudrais, avant, c'est chiant, parce que j'ai regardé la vidéo hier. J'ai vu le avant la convention, après la convention. Mais pendant la convention, j'ai rien vu. Mais parce que je pouvais pas filmer, c'est moi qui animais. Donc la prochaine fois, faut que tu trouves un gars. Ouais. Tu dis que finalement. Eh ben, en fait, ça va arriver. Il y a un sujet qui va arriver. On recrute encore. Il y a eu des images. En fait, il y a eu des images, elles arrivent bientôt. Ok, voilà. Après celle-là, j'ai eu du saucisson. Les gars, j'ai du saucisson. Eh bah oui, Games of the TV, ah, c'est grave, la seule chaîne qui vous offre du saucisson. La seule chaîne qui te file du saucisson corse. Ah, vas-y. Alors, tu es le grand gagnant. Ouais, hein. Putain, chef, félicitations. Merci. Et comment t'as fait pour l'avoir? Parce que c'était chaud quand même, vu le monde qu'il y avait. J'ai claqué beaucoup d'argent. C'est vrai? Ah, ouais, ouais. Donc, apparemment, t'as claqué plus de... T'as pris plus de 100 tickets. 118 tickets. 118 tickets. Non. Si. Eh, 118 tickets. Mais il a réussi à l'avoir. Ouais. Et félicitations. Et ça t'a coûté combien? Cher. 118 x 5. Ouais, bref. On le mettra
en sous-titre. Mais du coup, t'aurais dû l'acheter dès qu'elle est sortie en fait. Ouais, mais je savais pas qu'elle était sortie. D'accord. Et ben, au moins, félicitations parce qu'elle se vend à des prix tout. Enfin, ouais, ça s'atélise. Hein. Tu restes gagnant. Je reste c'est... gagnant. Je suis aussi content, même si je l'avais pas gagné, je suis quand même content d'être venu et j'ai gagné pas mal de petits lots. Bon, bah, c'est cool. Game, ça se passe comme ça. Voilà, il y en a qui gagnent tout, il y en a qui gagnent rien. Il y en a qui font des kilomètres et qui gagnent rien. Enfin bref. Bon, bah, c'est félicitations. Félicitations. Faisons bon usage. Ouais. Bah, le bon usage, elle va être mangée, c'est tout. Bah, alors, c'est tout. On n'en fait aucun usage. Bien rangé, bien planqué. Une vitrine. Ah, même pas dans une vitrine. Soufflé. C'est ça le rétro gaming, mon pote. C'est ça. Tiens, c'est excitant le rétro gaming. Tu vas être comme ça, mon pote. Hein? Merci Amazon. Voilà. Ton Metal Gear, 300 balles. Et n'oubliez pas, vive la passion. Non. À part le barman du coin, qui tu es? Le barman du coin, je suis. Ouais. Je me présente, le seigneur El Ratou. Qu'est-ce que je fais sur YouTube? Eh ben écoutez, je fais de la passion. Je fais tout ce qui est unboxing. Donc tout ce qui est. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne, c'est écrit là. On le mettra là. Voilà. Hashtag, il a mis de l'argent. Ma couille. Non, donc que de Netflix. Si vous connaissez Netflix, moi c'est pareil. Je fais que des let's play, j'ai déjà fait Devil May Cry 4, Octopath Traveler, voilà. Et je fais même des mini-épisodes, ça s'appelle du rétro ratou. Tout ce qui est jeu rétro, par exemple Tombini, Jojo Bizarre Aventure, voilà. Faites un petit tour, mettez un pouce, faites ce que vous voulez, mettez un pouce aussi à la cagoule qui est là. Voilà. Les gars, mettez, bah ouais, même deux pouces. Même deux pouces, ouais, faites tout plaisir. Mais par contre, mettez un pouce quand ça vous fait plaisir. Ouais, c'est vrai, voilà. Ça coûte voilà. Rien. C'est vrai. Ça coûte rien. Et nous, ça nous fait plaisir. Et celui qui est juste derrière en plus. Lui aussi, il faut qu'il mette un pouce. Hein. Voilà, mettez un petit pouce, mais l'histoire, c'est que quand vous goûtez un plat, vous dites pas, bah il est bon, faut le goûter. Bah c'est pareil pour une vidéo. Et là, vous mettez un pouce. Voilà la vraie histoire. Et t'es un fidèle de la boutique parce qu'on te voit souvent par là, apparemment. Hein, moi, j'ai vu plein de vidéos, on te voit apparaître. Bah, on te demande même si c'est pas vendeur ici. Bah, je suis l'ombre des Netgame, le rongeur. Voilà, en fait. Je viens donner un coup de main de temps en temps à la boutique. On me connaît avec la passion, etc. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Plus rien, là c'est... Ouais, je travaille, mec, quand même. Ah bon? Ah, ouais. Tu as quand même un vrai boulot. Ouais, un boulot, ouais. Un vendeur, hein. Bon, et j'escroque les gens. Venez. Ah ben, on s'enrichit pas en donnant, hein. Voilà, tout à fait. C'est normal, fait, voilà. On escroque. Non, mais en tout cas, si je suis content d'avoir fait ta connaissance. Avec plaisir, hein, mon ami. Avec plaisir. Eh ben, c'est dommage que ce soit la dernière fois qu'on se voit par ici, mais j'espère qu'on se reverra pareil. Bah, si vous voulez, vous savez quoi, bah, même Sonic le demande. Alors, si vous voulez faire un crossover avec lui et moi dans une prochaine vidéo, ah. Vous le marquez en bas des commentaires. Voilà, mettez dans les commentaires. Et on se verra. Voilà. Et on le fera. Portez-vous bien. Merci. Alors, vas-y, présente-toi, toi, qui tu es? Moi, c'est JB. JB. Viens à cette boutique depuis qu'elle est ouverte. Je connais le gérant depuis qu'elle a ouvert la boutique. Mais tu es client ou tu travailles ici? Client, je suis client, je n'ai jamais travaillé ici. Ah d'accord. Et client de compète, un client ami. Non, et si les boutiques indées avaient que des clients comme moi, les boutiques elles tourneraient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on ferait tourner les Micromania, ils fermeraient tous. Maintenant tu vas aller où? Maintenant je vais aller à Paris, à Répu, comme j'allais avant qu'il y ait cette boutique ici à côté de chez moi à 5 minutes. Je vais être obligé de payer 15 balles de RER pour aller à Répu. Merde. C'est quoi, quasiment des frais de port quoi. C'est ça, c'est des frais de port. Chier, ouais. Pour avoir juste un contact humain, avoir les jeux au jour J ou un peu avant, mais juste le contact humain. Un peu d'échange. Voilà. Ah, c'est bien d'avoir ça dans son quartier, tu es d'ici toi. Ouais, ah, je suis Saint-Germain-les-Arpajons, donc à pied, Saint-Germain-Arpajons, c'est pareil. C'est à 5 minutes, je suis à 5 minutes. Bon, mais sinon, à part ça, ça va quand même, ça va te faire quand même un pincement au cœur. C'est pire qu'un pincement au cœur, c'est la mort. C'est la mort. J'ose pas imaginer. Non, c'est sérieux, c'est... Ouais. Et je tiens le bar en même temps, regarde. Voilà. Là-bas. Les gens ont soif. Notre ami le barman, c'est le meilleur. Le meilleur. La soif. Il aura vraiment tout fait dans cette boutique. Il se sera donné corps et âme. Michel, tu devrais être fier de tes clients. Je suis avec Neswin, c'est ça? C'est ça, Neswin. Alors c'est quoi ta spécialité, toi? Spécialité, ben, de base, je suis compétiteur de jeux de combat.
Donc ça va faire depuis 2010, donc ouais, presque une dizaine, enfin pas moins d'une dizaine d'années. Ouais. Et que je fais des tournois, voilà, je suis pas un joueur pro, ça, c'est sûr. Je suis, on va dire, mais il a le niveau d'un pro, quoi, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, je reste humble quand même. Mais voilà, après je fais des tournois, enfin je fais. Mais quel jeu en particulier? Street Fighter. Ah, Street Fighter, ouais. Street Fighter 2, 3, 4. Non, le 4, le 4. On y a tout joué aux anciens quand on était môme. Ouais. Après, là où j'ai commencé à faire les tournois, c'était sur le 4. Voilà. Donc d'accord. Le 4, et après je suis passé sur le 5. Et voilà quoi, après ça continue. Après ça m'empêche pas de rejouer aux anciens. Et où est-ce qu'on peut te voir? Bah sur Neswheel, alors j'ai une chaîne Twitch, donc Neswheel, comme c'est écrit, hein, pareil. D'accord. Donc voilà, sur Twitch, j'ai une chaîne que j'ai commencé il y a à peu près 2 mois. Ensuite, on peut me retrouver sur Instagram, Neswheel971. On peut me retrouver partout. Hein. Et dans les conventions aussi, les salons. Paris Games Week, ah ouais. Des fois Japan Expo si j'ai le temps. D'accord. Mais plus Paris Games Week quoi, quand les choses de me voir. Ok, super. Voilà. Bah, on va sûrement se recroiser alors. Et aussi au salon de Game & School sur Arpajon des fois. D'accord. Je suis là aussi. Voilà. Ah, parce que tu es du secteur. C'est ça, je suis du secteur. Bah, ah, d'accord. J'ai aussi contribué à l'assaut parce que j'organisais les tournois dans l'assaut. Ah, sur les jeux de combat. C'est ça, enfin il y avait tout, il y avait combat, ouais. FPS, Mario Kart, tout. C'était un truc de ouf, on avait fait 22 tournois sur le week-end. Donc c'était chargé, j'avais une grosse équipe avec moi et... Pas mal. Chargé. Et cette boutique, tu l'as fréquentée régulièrement? Alors, c'est la première fois que j'ai... Alors, truc marrant, c'est la première fois que j'ai fréquenté cette boutique, j'avais 13 ans, c'était pour un tournoi de Dragon Ball Budokai 2, que mon frère m'avait inscrit. Il a dit « Ouais, faut que tu fasses le tournoi ». Donc en fait, c'est là que j'ai commencé à connaître NetGame. Après, j'avais un peu perdu de vue avec la scolarité, etc. Mais après, il y avait un tournoi Street Fighter 4 qui s'est organisé à NetGame, que j'ai participé. Et depuis, bah voilà quoi, je suis arrivé. Bon, je m'étais fait taper parce que j'étais encore jeune. Après, j'avais mon rival de toujours, Diru. Donc si tu vois cette vidéo, je te dédicace. Donc voilà, c'était lui, mon éternel rival, avec qui on faisait souvent les tournois. On a commencé à faire des gros tournois. Malheureusement, il a une grande vie à gérer, donc forcément, il n'a plus trop de temps. Mais voilà, on va dire, j'ai continué le chemin du côté et les tours là à gérer aussi, à voir ce que je fais quoi. Donc voilà, big up. Donc un peu triste quand même de cette fermeture. Bah forcément, hein, quand on commence, on fait des tournois, on sait que ça vient aussi de là. J'ai commencé des tournois ici, des petits tournois, voilà, on n'était même pas 16 dans le magasin à faire des petits tournois. Et non, c'était cool, c'était vraiment cool parce qu'au final, grâce à ça, j'ai connu des gens, ces gens qui m'ont accompagné dans des tournois au début, les tout premiers tournois. Voilà, on a arrivé comme des néophytes à se dire, ouais, c'est quoi ce niveau de ouf. Après, on a continué ensemble. Il y a ceux qui ont continué, ceux qui n'ont pas eu le temps. On va dire que je fais partie de ceux qui ont continué le chemin du truc. D'accord. Et voilà quoi. Mais bon, en tout cas, on va dire que c'est un bon point de départ NetGame aussi par rapport à ça. Ok, bah en tout cas, merci. Il n'y a pas de soucis. Allez, à bientôt, j'espère. On va l'appeler bientôt. Voilà, NetGame, c'est fini, ou presque. Hein, y en a encore qui sont là. Je confirme, c'est la fin. Malheureusement, c'est la fin. La fête. 21 ans de bons et loyaux services. It is the malheureusement, the end. Malheureusement, tout a une fin. Bon, là, ça se finit quand même dans la joie, hein, dans la fête. Un peu dans l'alcool. Malheureusement, pour certains. Voilà, ils en ont parfois abusé, hein, voilà. Non, aucun abus, hein. Donc voilà, c'est la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été encore pour moi l'occasion de faire des rencontres vraiment géniales. J'ai enfin pu rencontrer Wawa, dont je vous parle depuis tellement de temps, hein. Et bon, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Hein, celle-ci marquera donc ce début d'année 2019. Donc bon, je vous l'aurais sûrement souhaité avant, mais je vous le souhaite une très très bonne année 2019. Et j'espère qu'elle sera pleine en émotions encore une fois, et qu'on reverra notre ami Michel peut-être dans nos événements, hein, peut-être, on espère, mais en tout cas, il a pas dit non. J'espère qu'on verra Wawa aussi dans nos événements, hein. Wawa, Olivier, il faut que tu viennes, hein. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, je vous embrasse, à très bientôt.